Il était environ 2h30 hier matin lorsque quatre hommes cagoulés se sont attaqués au distributeur de billets de la poste de Sorgues. Ils ont, selon les enquêteurs, pu pénétrer à l'intérieur du bureau en brisant la porte vitrée. Ils ont ensuite attaché avec des câbles le distributeur au châssis d'un camion et l'ont ainsi arraché et tiré à l'extérieur. Ils ont vidé le contenu du DAB et ont disparu dans la nature, abandonnant sur place le camion qui a permis cette effraction, le tout en moins de 4 minutes, selon les caméras de surveillance. Un mode opératoire violent et express qui rappelle un autre casse commis il y a 10 jours à peine à la caisse d'épargne de Caumont. Là aussi, 4 hommes masqués avaient arraché en pleine nuit le distributeur de billets avec une tractopelle. Mais là, il y avait eu un témoin. La maison un peu tremblée. Là, je me suis inquiétée, donc je me suis levée, je suis allée à la chambre de ma fille et j'ai regardé juste un petit peu discrètement par la fenêtre pour voir ce qui se passait. Et là, je suis tombée nez à nez avec un gros tractopelle et un homme dedans, tout cagoulé, tout en noir. Et là, ils ont commencé, ils ont tapé sur le mur. Et là, la maison a vraiment tremblé. Et là, j'ai compris de suite qu'il faisait le distributeur, puisque le distributeur est en dessous. Donc mes filles se sont réveillées. Et on s'est mis toutes les trois dans ma chambre et on a tout fermé et on a attendu que ça, voilà, attendu que ça passe parce que bon, on a eu très peur, hein, la maison tremblait, j'entendais parler dehors, donc je savais qu'ils étaient plusieurs, donc j'ai pas bougé. Ces opérations commando utilisent des moyens spectaculaires pour des butins qui ne dépasseraient pas les 10 000 euros. C'est en effet, selon les professionnels, les sommes maximum que l'on trouve dans les distributeurs de billets.